Bon, ça a l'air d'aller pas trop mal. Le soleil est timide, il me fait chier parce que je voulais que ça blanchisse. J'ai laissé 3 heures entre le grattage. Et là, il est voilé, je sais pas. Et j'espère qu'il va se lever comme il faut parce que là, merde. Hein. J'ai intérêt à blanchir avant ce soir. Si c'est un limon, ça serait con que ça batte. Bon, sous les roues, là, j'hésite à remettre la deuxième dent, mais ça me fait chier. J'ai peur que ça bourre après dans les racines de maïs. Bon, ça fait quelques vagues, hein, c'est pas chouette, mais ça a quand même fait du blé l'an dernier, c'était à peu près le pareil. Sauf que c'était un peu moins frais, mais bon. Là, comme je vous dis, du limon, là, il y a... Il y a une bonne... Parce que de toute façon, ça va le faire. Ouais, c'est pas facile à voir les... Ça serait blanchi un peu plus, j'arriverais à voir mon jalon. On dirait que le soleil veut quand même se lever un peu, mais... Il chauffe pas tant que ça. Là, c'est la petite caméra parce que j'ai plusieurs variétés et puis vous voyez, il y a même les sacs dans la trémie. Et là, je suis en train de jalonner. Ça, c'est la caméra que Alex de Produit Center m'avait conseillé. Pour le semoir, c'est idéal. Bon, ça patache un peu, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai labouré maintenant. Et gratter. Vu ce qu'ils annoncent, après je suis dans la merde. Faut mieux forcer un petit peu. Là c'est pas de l'argile, alors ça va le faire. Et si ça blanchit quand même. Je dis. Mais c'est vrai que le soleil est pas. Est pas vigoureux quand même. Hein. Putain. Là décidément c'est le week-end pour me faire chier ça. Et comme ça, ce secteur, il sera semé. Habituellement, on n'y sème pas du blé ici, mais il n'y avait pas le choix pour essayer de détruire un peu de mauvaise herbe, de changer un petit peu. Là, on est dans les chintes, alors je te garantis que... Ça secoue un petit peu, mais là je pense que je vais faire 5 chintes. Ça sera plus pratique. Oh si ça blanchit, impeccable. Allez, chauffe un peu le soleil, bordel. Voilà. Que je fasse pas de bêtises, ouais, c'est là mon jalon. Parce que là, je suis en train de faire le passage à traitement, ça serait con de me gourer. Et là, ça va aller impeccable, tant mieux, putain. J'y croyais pas hier, ça se mettait à flotter, ça s'arrêtait. Et quand je pense que ça tombait 27 mm chez moi et là j'ai eu 3. Bon, c'était en décalé la flotte, il y avait plus de flotte ici dans la semaine. Mais bon, comme ça ce secteur sera fait. J'aurais pu m'embêter avec ce terrain là. C'est sûr, ça paraît un peu moche en surface comme ça, mais bon. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Mais bon, ça va blanchir, ça va faire du bon boulot. Et puis là, de toute façon, je désherbe pas. Ça serait faire des bêtises.
c'est parce qu'il y a quelques paquets de racines de maïs. Et ça blanchit, on est sur le bon bout. Ça des potes. Putain d'orage de merde là. Oh putain, c'est usant. Rebelote. Ça commençait juste à aller bien, ça collait plus. Et ben voilà. Ça vraiment, ça commence à me faire chier ce temps de merde. Oh, ça va bien, on a eu 56 mm ici. Et on veut essayer de semer du blé quand même avant que ça retombe. Allez, c'est parti pour une petite demi-heure peut-être. Oh, c'est juste pour me faire chier en fait. Parce que je crois que ça se calme, ça passe. Vous voyez mon couvert de où il y avait l'ancien blé. Pour les abeilles, je pense pas qu'elles soient dehors. Voilà, ça allait bien parce qu'au début, putain, je me faisais chier. C'est bon, c'est colichon, mais ça a pas l'air de patiner. C'est l'idéal. Et s'il n'y avait pas cette pluie, ça irait encore mieux. On est le lendemain matin, il y a eu 1,5 mm pour faire chier, c'est pour ça que ça collasse en roue, mais c'était surtout là où j'ai eu des averses en même temps que je labourais que ça allait pas bien. Là je suis dans la partie après 15h que ça mouillait pas. Bon, on voit un peu de rouan, mais c'est parce que le labour je gratte léger hein. Et puis de toute façon il n'y a pas le choix. Maintenant c'est labouré, le marais. Si je veux y mettre les pieds la semaine prochaine, c'est pas la peine. Il y a entre 50 et 70 mm d'annoncés. Là il y en a eu 70 cette semaine. J'avais pas le choix. Il y en a qui diraient faut attendre. Bah ouais, mais c'est tantôt, faut que je sème parce que demain ça mouille. Ils avaient annoncé que ça mouillait que mardi. Mais non, pour faire chier. Et ailleurs, bah, c'est pas la peine de semer parce que il y a eu 27 mm hier tantôt. J'ai eu du bol que j'aille pas eu ça ici parce que là j'étais mort. J'avais embauché le champ pour rien. Mais bon, c'est comme ça. Oh là, ça tire un peu moins parce que tout à l'heure je suis garanti que les écolos ils auraient rigolé. Au fumée nègre d'un bout à l'autre. Mais là ça va mieux. Ça a beaucoup. Regardez ça, c'est-il pas beau hein, lever le soleil quand même pour un peu détendre de ses péripéties.